C'est une belle note qui le place tranquillement en tête de ce concours. Et on devrait voir un concours de très très haut niveau aux anneaux. Est-ce qu'il y a bien sûr deux des très grands de la discipline, Xolani et Yevchev, alors que là, c'est un autre très grand, mais dont la spécialité n'est pas forcément les anneaux, qui s'attaquent maintenant à cet agrès. Oui, planche avion. Oui, Dragulescu. Oui. Dragulescu, c'est le saut et le sol en principe, mais il est bon partout également, puisque chaque gymnaste fait très souvent le concours général. Vous voyez les forces, les croix de fer, les bras bien horizontaux. On le voit depuis longtemps, Dragulescu, et pourtant il est très jeune. Il n'aura 21 ans qu'à la fin de l'année. Ah, le soleil passé. Et full in, full out, corps groupé en sortie, c'est-à-dire une grille dans chaque salto arrière groupé. Pas mal du tout ce qu'a fait Dragulescu. Il avait réalisé 9,250. Lors des qualifications, ça me paraît être bien meilleur. Regardez. Ouais, la position est parfaite. Totalement à l'horizontale, magnifique. Et la sortie. Allez, la double vrille sur le double arrière groupé. C'est vrai qu'avec ce nouveau code de pointage, les gymnastes ont une possibilité de s'exprimer véritablement sur la sortie, parce que sinon c'est la force qui prime.